Il y avait déjà quelque chose de bien présent en termes de clubbing, mais à mon avis, j'ai amené un nouveau regard et quelque chose d'un peu plus aventureux dans les essais musicaux qu'on peut mettre en place ici, et un côté festif peut-être encore plus prononcé qu'il était avant. Alors, on a quelques couronnes ouais, derrière le comptoir, dont le roi du rhum, Enzo, qui est ultra calé en tout ce qui est alcool, agricole, gin, il connaît tout en fait, c'est incroyable. Ça me fait rire les 3 C. Tout le truc avec le groom, c'est que c'est un bar à cocktail qui a vraiment une identité cocktail, un vrai club avec une grosse identité club et le côté concert aussi qui est très présent la semaine. C'est que ce qui est cool, c'est qu'on peut venir faire la teuf jusqu'au bout de la nuit en buvant des trucs convenables. Donc c'est trop bien. Les gens, ils boivent des cocktails dans des coupettes jusqu'à 4h du mat. Notre truc en club, c'est quand même tout ce qui est house. On va sur un penchant un peu italo-disco aussi, on essaie des choses un peu plus perchées, un peu plus tech house de temps en temps. Et en concert, on est très pop, folk, et là, on va prendre un tournant un peu rock aussi, je pense, sur les prochains temps. Un peu chanson française aussi, parce que je travaille avec Francis Richert, qui est le programmateur concert avec moi. On essaie des choses, en fait, c'est cool, on a même fait des concerts de rockab, parce que moi, c'est mon truc, et ça a très bien marché, donc voilà, on fait un peu tout. On va faire des concerts de rap aussi, enfin. Tout va très bien en termes de style, on essaie un peu tout au groupe, ça qui est chouette. C'est une association que j'ai montée à l'époque à Paris, il y a 4 ans maintenant, avec mon meilleur pote. Notre spécialité, c'était la surf, le garage, le rockab et tout ce qui tourne un peu autour du rock vintage et de la fête. Et notre délire, c'est de mélanger un peu tous les styles et de faire des grosses soirées un peu marrantes, quoi. Enfin, moi, je vais sur un tournant beaucoup plus 60s, beaucoup plus garage, la surf. À 100% et à Lyon, il n'y a pas assez de surf, donc on fait de la surf. Donc non, on peut venir avec sa planche de surf et pas sa robe à pois, non, on peut la laisser. Alors, la prochaine date très importante pour moi, c'est le 6 février au Groom, où je programme les Wave Chargers et les Mogs, un groupe de garage lyonnais que j'aime beaucoup aussi. Et ça sera ici avec une soirée yéyé en haut, DJ set 100% vinyle. Donc ouais, c'est la prochaine date Jackie Banana qui va, je pense, un peu envoyer de la fuzz, quoi. Ça va être trop bien. Oui, le 30 janvier, il y a un concert au Rockanit. J'ai repris un concept que j'avais lancé à Paris à l'époque qui s'appelait les Jeudis Jackie, où je mélange vraiment genre les 3 univers de Jackie Banana. Là, on a de la country en première partie avec une artiste lyonnaise, de la surf en deuxième partie et du grunge rock en troisième partie, et du coup je me dis ça va être hyper drôle parce que tous les publics de ces gens-là ne se ressemblent pas du tout. Et en général ça donne des joyeux boxons et c'est bien marrant. Là là, c'est vraiment beaucoup de stress, ça, vous m'avez pris en traître. C'est pour ça, c'était ça la dernière question. Génial. Bon. Je sais pas, ça me stresse vraiment. Regardez-moi pas. A little less conversation, little more action. Na 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 na. Voilà. Et je fais du yaourt sur la deuxième partie.